Bon, donc c'est parti. Troisième talk. Moi, je vais vous parler de la notion de modèle et des erreurs dans les sciences. J'ai réussi à faire une faute sur mon propre titre où j'ai mis un S à modèle. Je voulais pas qu'il y en ait, mais c'est pas grave. En gros, au menu cette fois-ci, on va parler donc un petit peu des modèles, l'environnement qu'il y a autour, comment ça fonctionne, modèle, erreurs, sciences, tout ça. Et ensuite, on va reparler des erreurs. Il y a déjà Florent qui nous en a fait un qui était très très bon. On va revenir un petit peu dessus. On va voir pourquoi les scientifiques se trompent, pourquoi ils aiment ça et pourquoi ils veulent en parler. Mais tout d'abord, un jeu. Alors le jeu, il est super simple. Vous allez me donner un nombre, pas tous en même temps, sinon je vais vraiment galérer, et je vous réponds par un autre. Et le but du jeu, c'est que vous essayez de comprendre quelle règle j'applique pour passer d'un nombre à l'autre. Ok? Tout le monde a piné ce que j'ai dit? C'est un entier. Ouais, on va essayer de faire des entiers. Sinon, je m'arrangerai. Et on va essayer de travailler en base décimale. Sinon, non, je m'arrangerai pas. C'est chiant. Ok, vas-y Vincent. Ah, comme ça, t'avais qu'à pas bouffer à ce moment-là, c'est niqué. 12. 2. 2, ça fait 2. Toi, t'as dit 12. 12, ça fait 22. Ouais, j'ai la formule sous les yeux. 33, ça fait 64. 15. 15, ça va faire 28. Est-ce que quelqu'un a trouvé la règle? Ouais. 2n moins 1. Il est pas gentil. J'ai pas envie de calculer ça. Non, raté. 2n moins 2. Mais c'était bien tenté. Ok, on recommence. Vincent. En fait, là, c'est super chiant pour moi, mais ça va faire moins 6. Joli coup. Ça va faire 0. Moins 90. Quelqu'un a trouvé la règle? 1, ça fait 0. 10, ça fait moins 90. 3, ça fait moins 6. Et x, ça fait x moins x carré. C'est ça, du coup. Là, il m'a demandé x, du coup, je lui ai donné x. Un dernier, et alors là, à mon avis, vous allez galérer, du coup, je vais vous le filer rapidement. Parce qu'on n'a pas que ça à foutre quand même. Ça fait random. 42. 42, je le connais pas. 42, c'est super chiant pour moi. Non, 42, ça fait 46. Moins 3. Moins 3. Alors attends, ça fait moins 3. 6. Attends, je t'ai dit de la merde. Non, ça fait 6. Ça fait 12, je sais plus. 0, ça fait 0. Oui, ça doit t'aider. Là, on est sur un truc qui était quand même super compliqué parce que du coup, il fallait prendre le complément à 10 du bordel, enfin, le complément à un truc avec un 0 du bordel, le mettre au carré et l'ajouter au nombre du début. Donc, c'était vraiment la merde. Pourquoi je vous ai fait ces petits jeux? Parce qu'en fait, ce que vous avez fait dans votre tête, c'est que vous avez fait un truc comme ça. Je vous ai posé un problème, vous avez émis une hypothèse, sauf Vincent qui est en train de bouffer. Et donc du coup, vous vous êtes construit une espèce de représentation de ce que moi j'avais dans la tête. Vous avez fait un essai, vous avez eu une réponse. Si ça marchait, bah super, vous allez refaire un essai et vous vous dites « Ah, est-ce que ça valide ce que j'ai pensé ?» Et si ça marchait pas, bah, vous reveniez à vos hypothèses et vous faites « Bon, bah merde alors, c'était pas celle-là. » En gros, ça, c'est ce qui se passe dans la tête de tous les scientifiques quand ils essayent de travailler. On est obligé à un moment ou à un autre de se dire j'ai un problème et je vais avancer hypothèse par hypothèse, pas forcément par essai-erreur, on a quand même des outils un petit peu meilleurs que ça, en fait entre l'hypothèse et le modèle on peut réfléchir un peu, mais en gros ce qu'on fait c'est qu'on crée une vision, une espèce de représentation de la réalité et on la met à l'épreuve en faisant des essais, en l'occurrence des expériences, c'est ce que vous avez fait ici. Un modèle, en gros, c'est quelque chose qui permet de projeter son intuition sur la réalité. C'est quelque chose aussi qui permet de prédire, si on peut, l'évolution d'un système. Donc vous comprenez bien que quand on veut savoir quel temps il va faire demain, quand on veut savoir si, oui ou non, quand je me tape sur le doigt avec un marteau, ça fait mal, quand je mets des trucs dans les yeux, ça fait mal aussi, tout ça, il est important d'avoir une représentation de ce qui va se passer, et toute cette représentation, soit on fait des simulations, et à ce moment-là, on se base sur un modèle, soit on fait pas de simulation, mais on se base quand même sur notre représentation qui s'appelle un modèle. En gros, un modèle, c'est aussi...
y a aussi dans la notion de modèle cette nécessité de le mettre à l'épreuve, de venir tester des choses dessus pour voir s'il est toujours conforme à la réalité. Ou alors se dire que on fait une erreur et à ce moment-là, qui est négligeable ou qui est acceptable, et pour savoir si cette erreur qu'on fait est acceptable, il faut l'évaluer. Et à ce moment-là, vous êtes capable de savoir si votre modèle est bon dans une certaine mesure ou pas du tout. Richard Philip Feynman, que vous connaissez bien évidemment tous parce que vous avez tous suivi son magnifique cours de physique, disait que, je vous laisse traduire la phrase dans vos têtes parce que j'ai la flemme, mais grosso modo que toutes les pans de la nature qu'on avait, qu'on voyait, et tout ça, tout ce que nous on percevait, c'était plus ou moins une approximation quand on est un scientifique. Et c'est une approximation de la réalité complète. Et en fait, il reformule sa phrase à la fin. En gros, ce qu'on a dans notre tête, c'est la réalité complète aussi loin qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'on est capable de modéliser que ce qu'on connaît à ce moment-là. Donc on fait des expériences, on connaît une série de trucs, on modélise ça, ça colle, on est content. On fait une expérience, ça a foiré, merde alors, c'était pas modélisé. Ça, c'est un peu l'idée. Entre modèle et erreur, il y a cette espèce de dualité qui est super importante. Le modèle, c'est donc une vision simplifiée de la réalité, et du coup, par conséquent, on fait forcément une erreur quand on fait un modèle. On n'a pas le choix. En plus, on a besoin de se placer dans un contexte. Qu'est-ce qu'on veut vraiment décrire ? Là, si vous vouliez décrire ce qui se passait dans mon esprit ou la règle que je voulais faire, c'était pas exactement le même modèle. Dans mon esprit, vous aviez besoin de penser à des neurones, de penser à des machins. Juste la règle, vous disiez, merde alors, il faut que ça fitte, je fais une régression, on n'en parle plus. On a aussi besoin d'évaluer les paramètres du système qu'on va vouloir décrire, qui sont essentiels, et ceux dont on se fiche. En l'occurrence, là, sur mon exemple, il n'y en avait pas des masses, mais quand on fait des expériences, des fois, quand vous faites de l'ELEC, et là, vous avez un tout petit pic très très bas dans les fréquences, et vous faites, zut, celui-là, je ne le mets pas, quoi, je ne le prends pas en compte, il n'a pas d'influence. Il faut comprendre, à un moment ou à un autre, ce qui est très important et ce qui n'est pas. En fait, pour faire simple, un modèle, c'est toujours fourni sous la forme d'une approximation, la grosse formule qui sert, ou la suite de phrases qui sert en sociaux à décrire le système, ainsi que les hypothèses qu'on a faites pour arriver à ce modèle-là, et surtout, 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 le contexte dans lequel on a mis en place ce modèle. C'est très important, vous ne pouvez pas appliquer, je vais prendre le cas de la socio, ça va peut-être vous parler un petit peu plus que mes trucs de physicien, mais vous ne pouvez pas appliquer les modèles de gestion de foule qui existaient au moment de la Deuxième Guerre mondiale à ce qu'on fait aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. On va retourner voir M. Richard Feynman, qui disait dans son temps « Finally and most interesting, philosophically, we are completely wrong with the approximate law. » Ce qu'il dit, c'est que quand vous faites un modèle, vous vous gourrez tout le temps. Jamais, 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 vous n'arriverez à faire un modèle qui fit parfaitement la réalité, ou alors vous mentez. Ou alors vous ne regardez pas exactement ce que vous pensiez regarder. Grosso modo, alors on va revenir quand même sur Richard, hein, parce qu'on l'aime bien. Richard, il a fait un cours de physique qui s'appelle Lectures on Physics, qui est écrit en anglais, qui a été traduit dans plein de langues. Il a fait ce cours-là à Caltech, et c'est probablement la meilleure introduction à la physique que je connaisse, et qui ne soit pas russe. Richard Feynman a écrit un bouquin, notamment le tout premier de son cours de physique. Alors, il n'a jamais rien écrit, hein. On l'a enregistré, et quelqu'un a écrit pour lui, parce qu'il était assez mauvais à ça. Le tout premier de ses bouquins, c'est Mécanique 1. Donc en gros, il y a Mécanique 1, Mécanique 2, Électromagnétique 1, Électromagnétique 2, il y en a une série comme ça, il y en a 9, je crois. Mécanique 1, vous prenez pas tout le bouquin, vous regardez juste à propos des atomes, c'est le tout premier chapitre, et l'introduction de ce chapitre, c'est tout ce qui traite de notions de modèle, de pourquoi ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on voit, pourquoi ce qu'on décrit, c'est pas ce qu'on voudrait décrire. Et c'est très très intéressant, ça permettait, il faisait ça au tout début de son cours, à l'équivalent de la licence 1, ça permettait de mettre des grandes claques à tout le monde et de dire, regardez, de toute façon on va vous apprendre des trucs et tout est faux. Comme ça c'était bien calé, on n'en parlait plus. Du coup, la nature est trop complexe pour être comprise. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord, ou bien il va falloir qu'il m'explique comment il fait. Du coup, le modèle, c'est l'outil principal des sciences. En gros, on va essayer de se baser sur des trucs simplifiés, on essaie de comprendre sur des trucs simplifiés. Par exemple, si vous prenez un ressort, vous voyez tout ce que c'est un ressort, prenez le ressort, vous le tirez un petit peu, pas de problème, il réagit linéairement. Si vous mettez un machin derrière pour calculer la force, un dynamomètre, ça s'appelle. Vous mettez un dynamomètre, et bien la relation entre l'élongation du ressort et la force qui est la force de rappel que le ressort applique sur le dynamo, elle est linéaire.
tant que vous n'avez pas dépassé la longueur du ressort en étirement. Dès que vous passez, dès que vous tirez trop fort sur le ressort il devient plus linéaire, mais il va quand même reprendre sa forme. Donc là, vous êtes content, mais votre loi, elle est plus vraie. Ça veut dire qu'il y avait une pente comme ça, ça marche plus. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à tirer. Et puis là, quand on continue à tirer, ben là, il pète. Hein, et ça, c'est pas linéaire du tout. Et en plus, c'est pas réversible. Ça, cette notion-là, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Alors, si vous, un jour, vous faites une licence de physique, vous allez voir, vous allez faire des ressorts en L1, en L2, en L3, en Master 1, en Master 2. Vous allez faire des ressorts tout votre machin et ils deviennent de plus en plus compliqués. Au bout d'un moment, vous pouvez plus voir les ressorts. C'est aussi, le modèle, c'est aussi un moyen de partager les essais de manière un peu plus formelle entre équipes. Appeler machin à l'autre bout du monde et lui dire « Bon bah écoute, j'ai testé ça, 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 et puis démerde-toi avec. » Bon, de là à dire que c'est de la charlatanerie, il n'y a qu'un pas, quoi. Le partage des essais sous la forme d'une équation bien propre ou sous la forme d'une suite de propositions comme on peut le faire en sociaux, c'est quelque chose qui fonctionne vachement mieux quand c'est écrit. Un modèle, c'est reformulable. Alors, je vais prendre un exemple d'acoustique parce que je ne pouvais pas faire un truc comme ça sans parler d'acoustique. Je suis acousticien pour ceux qui ont papiné. En acoustique, on peut travailler soit avec la pression acoustique, donc les ondes de compression dilatation qu'il y a dans l'air qui forment le son, soit avec la vitesse particulière, donc la vitesse à laquelle vibrent les particules. C'est un même modèle, ça décrit la même chose, le même phénomène, avec deux champs différents, donc avec la pression ou la vitesse, et avec des implications qui ne sont pas les mêmes. Ça permet de choisir la bonne solution, la bonne manière d'approcher le problème, sans forcément changer toute notre vision du monde. La vision du monde est la même, mais elle est juste reformulée. Ensuite, et enfin, le modèle, il est généralisable, il est décorrélable. Alors, derrière ce gros mot, on peut par exemple parler des choses adimensionnelles. Alors voilà, j'ai expliqué un gros mot avec un autre gros mot. Quand on fait une équation, les équations c'est moche, on n'aime pas ça, et surtout les équations, les matheux, ils n'aiment pas ça non plus. Or, c'est eux qui savent les résoudre. Donc ils veulent pas voir des équations compliquées de physiciens, mais ils veulent les résoudre. Et nous, on veut pas les résoudre, mais on voudrait bien qu'il y ait quand même nos termes. Du coup, on a des solutions toutes bêtes, c'est qu'on divise tout jusqu'à ce que toute l'équation soit sans dimension. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de dire, quand vous faites une opération, vous mettez des patates égales à des carottes. Hein, ça fonctionne pas. Quand vous faites une patate plus une carotte, ça fait une patate plus une carotte, ça fait pas deux paquets de parottes. Ça fonctionne pas. Du coup, l'idée du décorrélable, c'est qu'un modèle, ça nous donne tous les outils pour pouvoir enlever ces termes dimensionnels qui foutent la merde, et pour pouvoir ensuite filer notre équation à un matheux, l'enfermer dans un placard, secouer le bordel jusqu'à ce qu'une solution en sorte. Et ça fonctionne super bien. Bon, on pourra revenir, je pourrais faire un talk là-dessus un jour, mais il y a des fois où c'est les physiciens qui ont aidé les matheux, il y en a trois dans toute l'histoire, et ça vaudrait le coup d'en parler 20 minutes. Le modèle, ça c'est fait, les erreurs, on est parti. Florent nous a fait un magnifique exemple, moitié talk, moitié exemple la dernière fois, sur pourquoi faut-il rater. C'était superbe, et on a réussi à apprendre plein de choses, et en fait ça a déclenché beaucoup, beaucoup de discussions bien après le talk. Moi j'ai des gens qui n'ont pas arrêté de m'en reparler, ouais c'est trop bien et tout, en plus maintenant j'ai envie de faire des choses. Donc préliminaire, le talk de Florent, en plus il a été enregistré, vous pouvez aller voir ça, c'est superbe, vraiment. Il n'y a que l'audio. Le talk de Florent, il disait « Se tromper, c'est effrayant. Se tromper, c'est perçu comme un échec. Se tromper, ça ressemble à une perte de temps. » Il disait aussi « Se tromper, c'est apprendre. Et se tromper, c'est un bon moyen de mettre à l'épreuve ses connaissances. » Je mets souvent parce qu'il y a des fois où vous vous gaufrez et vous n'avez pas du tout challengé vos connaissances. Vous vous êtes juste fait piler. Du coup, si se tromper, c'est si bien, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de se tromper tous ensemble ? Alors, dans les sciences, l'erreur fait partie intégrante de la pensée scientifique. Ça, c'était la petite phrase façon conférencier qu'à 75 ans. Les simplifications qu'on fait pour aboutir à des modèles qui sont bitables par des physiciens humains, les Russes ne comptent pas, amènent forcément des erreurs qui sont souvent pas négligeables, mais qui, dans le contexte dans lequel on se place, d'où la notion de contexte dans le modèle, notez bien que je fais des transitions, dans le contexte dans lequel on se place, peuvent être plus ou moins mises sous le tapis, on n'en parle plus. Les manipulations, donc les expériences, les trucs comme ça, c'est un ramassis d'erreurs. Il y a même une science complète qui a été faite juste pour qualifier les erreurs qu'on fait quand on manip. Il y a des mecs qui réfléchissent à pourquoi, quand je mets un bruit blanc, donc un machin qui fait avec toutes les fréquences à l'entrée d'un haut-parleur et un micro devant, que mon haut-parleur il est bien plat ou que je connais sa réponse, j'obtiens jamais la réponse du haut-parleur. Jamais. Quand vous faites ça,
vous allez mesurer en même temps la réponse du haut-parleur, donc à ce qui laisse passer toutes les fréquences. Vous mesurez aussi la même chose pour l'ampli qu'il y a devant, pour le machin qui a généré le bruit blanc, qui était probablement pas blanc, et pour, de l'autre côté, le micro, le préampli et le machin qui analyse le signal du micro. Donc vous analysez toute la chaîne. Et donc il y a des gens qui bossent toute leur vie sur analyser les erreurs qu'il y a dans ces machins-là, et pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Troisième point, le résultat, qu'il soit bon ou mauvais, fait partie intégrante de la pensée scientifique, et surtout, c'est un résultat. On ne peut pas planquer un machin parce que ça ne correspond pas à ce que vous vouliez montrer. Ça, c'est trop facile. Et pourtant, vous allez voir, je vois Vincent qui fait des têtes pas possibles, et je vois qu'il va être content dans trois slides. Du coup, voilà, la grande question, elle est là, et je pense que là, tu vas comprendre le relais. Et si on publiait ces foutues erreurs dont on a tant besoin ? Alors, petit rappel sur le monde scientifique, s'il te plaît, ne ris pas trop fort. Les scientifiques ne vivent pas reclus dans des grottes pleines de tableaux noirs. Bon, pas tous. Ah, on en a vu. La base du système scientifique, c'est la publication. Quand vous faites un machin, vous en parlez aux autres. Sinon, ça sert à rien. On va revenir là-dessus juste après. Les chercheurs ont tendance à utiliser le travail des autres pour avancer dans leur, ça permet de ne pas avancer tout seul. Je te vois lever un sourcil, c'est vrai qu'il y en a qui oublient un peu de le faire. Et surtout, les chercheurs sont rarement seuls à se poser une question sur un sujet. Alors, en tout cas, en physique, c'est le cas. On est toujours au moins deux et jamais au même endroit. Ce serait trop facile là aussi. La publication en deux lignes est très caricaturale. Pour gagner des points, un chercheur envoie son travail à d'autres chercheurs qui sont à peu près dans le même domaine. Le chercheur de l'autre du même domaine, qui n'est pas celui qui a écrit, lit le bordel, apprécie la qualité du truc, c'est ce qu'on appelle le peer review, et décide si, oui ou non, ça a un intérêt pour le monde scientifique. Je mets pour autoriser la publication, vous allez voir pourquoi. Le chercheur gagne ensuite des points si les gens réutilisent son travail, le site, etc. dans leurs travaux. Les journaux, de leur côté, donc les machins qui publient, gagnent de l'argent en choisissant bien les publics qu'ils font passer et celles qu'ils ne font pas passer. Alors, pour ceux qui auraient jamais fait une recherche bibliographique, un article, ça coûte $30. Voilà. Ça les vaut pas, ou alors ça vaut beaucoup plus, mais en tout cas, les $30, ils vont pas dans la poche du chercheur. Cherchez pas. Du coup, les journaux scientifiques sont élitistes, parce que s'ils publient des super résultats et des machins géniaux, ça c'est le deuxième point, ils vont avoir plus de vues, ils vont augmenter leur crédibilité, le fameux impact factor, et du coup, en augmentant tout ça, ils vont pouvoir se permettre d'avoir plus de renommée, et donc ils vont être plus vus, donc les articles plus téléchargés, etc., et il y a plus d'argent dans les fouilles. Le problème, c'est que publier les erreurs et les fautes pistes, c'est pas vraiment une bonne pub, quoi. Même si ça se cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup aux chercheurs. Alors, en gros, c'est quoi l'avantage de publier des erreurs pour un chercheur ? Déjà, on économise beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment c'est pour toi, Vincent, quand tu montes une expérience, mais nous, quand on monte un banc de mesure, ça nous coûte au mieux des milliers d'euros, au pire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par banc de mesure. Autant vous dire que quand c'est une faute piste, quand c'est une fausse piste et qu'un laboratoire à 300 ou 400 ou 4000 bornes a fait déjà la même expérience et déjà fait piner, on aurait bien aimé être au courant. Ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps. C'est fatigant. une avancée toujours plus rapide de la recherche quand on publie les erreurs. Vous avez bien vu pour le jeu. Vous avez appris parce que les autres ont fait des essais aussi sur les hypothèses qu'ils avaient eux et leurs modèles qu'ils avaient dans leur tête. Et avec les erreurs de tout le monde, c'est plus simple de trouver les trucs. Je pense que Jean-Marc, il n'a même pas posé de questions, et pourtant il a trouvé le machin. Il n'a pas donné un nombre la première fois, et c'est lui qui a trouvé. C'est quand même beau. Merci d'ailleurs pour ce superbe exemple, je suis très heureux. Ensuite, et dernier point, les résultats négatifs sont plus fiables que les résultats positifs. Dober un résultat positif, c'est cool. Parce que du coup, ton résultat, il est exceptionnel. Bon, tu vas pas le lober beaucoup parce que là tout le monde va le voir, mais ça s'est déjà vu des gens qui annonçaient des trucs et qui les avaient jamais testés. Par contre, dober un résultat négatif pour qu'il soit encore plus mauvais, l'intérêt est limité, quoi. Hein, franchement, du coup, on peut se dire, et ça semble vouloir se vérifier en tout cas en biologie, les gens qui publient des résultats négatifs ont tendance à moins les dober, et donc les résultats négatifs sont plus fiables, plus proches de la réalité de l'expérience que les résultats positifs. Alors du coup, il y en a quelques-uns quand même qui essayent de commencer à publier des fausses pistes. Il y a New Negatives in Plant Science, par exemple, qui publie que des résultats négatifs. Ils ne publient même pas un résultat positif pour la biologie. Bon, biologie des plantes, hein, on ne peut pas faire tout comme il faut, mais bon, c'est pas grave.
Et du coup, ça aide beaucoup les gens. Hein. Il y a des gens qui citent les articles avec des résultats négatifs en disant « Mais c'est génial, je n'ai pas perdu un an à faire pousser des plantes pour pas que ça marche. » Il y a aussi des sites comme Archive, comme Gitcave, comme des machins comme ça, où les articles ne sont pas encore passés en review. Donc c'est souvent soit des drafts, soit des fausses pistes, comme c'est un peu le point... qui sont publiés là-dessus, le machin il passera jamais en review, et puis tant pis, quoi, c'est pas grave. Donc voilà, un petit résumé en deux mots. La vue simplifiée de la réalité, pour le rendre analysable, c'est le modèle, en général. On a un modèle qui est toujours très fortement lié à des hypothèses et un contexte. Et de leur côté, les erreurs, bah, échouer ensemble, c'est avancer plus vite. L'erreur apporte autant d'informations que la réussite, sinon plus. On a trouvé, comme disaient les Shadok, ils ont trouvé au moins une manière de ne pas réussir. Je crois que c'est les Shadoks, hein. En tout cas, plus on rate et plus on a de chances de réussir. Et la pensée scientifique implique de publier des résultats positifs et négatifs. Sinon, vous ne faites pas de la science, vous faites de l'élitisme et c'est un petit peu chiant. Voilà, merci. Vous avez des questions. Vous avez faim. Oui. Comment dans un système qui favorise la publication achevée et entre guillemets vraie, réussir à convaincre des chercheurs à publier leurs erreurs, parce que ça ne leur apporte rien, ça aide leurs concurrents. C'est ça tout le problème et tout l'enjeu du truc. Il y a quelques chercheurs qui sont assez, enfin en physique en tout cas, il y a quelques chercheurs qui sont assez conscients du fait qu'une manip ça coûte très très cher et que la seule vérité en science c'est la manipulation. Donc une manipulation qui n'apporte pas ce qu'on voulait voir a beaucoup beaucoup d'importance. Et il y a quelques-uns qui sont conscients de ça. Il y a même quelques-uns, et ça, je les remercie, et franchement, je veux bien leur payer des bières, qui envoient les données brutes de l'expérience ainsi que le mode expérimental. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de la refaire, cette expérience est faite, elle a foiré, mais on sait exactement comment elle a faite et quelles données ça a filé. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont trouvées sur des données foirées, en fait. C'est important de voir ça aussi. Mais effectivement, c'est pas sexy pour un chercheur. C'est ça le souci. Alors du coup, sur des trucs un peu critiques... Ça veut dire qu'on va publier des succès et puis un alpha qu'on va pas mettre de manière à ce que ce soit porté. Il y a pire que ça, hein. Il y a même des succès qui ne sont pas publiés. Il y a des succès qui sont... notamment un qui était dans une thèse qui est magnifique, qui s'est tenue au LOM il n'y a pas longtemps, qui ne sera pas publié avant un an parce que le brevet est en cours. Enfin, en tout cas, ils réfléchissent à ça. Et puis ne serait-ce que le côté restriction de la recherche, dans le sens que tous les articles en effet sont payants, sont accessibles quand tu es dans une université. Sinon, ah, t'as vu la semaine dernière ou il y a deux semaines, il y en a un qui a publié un truc qui permet de les avoir gratos. C'est vieux et je donnerai pas le nom ici pour plein de bonnes raisons, parce que plus il y a de gens qui sont au courant et qui ne font pas de recherche, et moins on a de chance que ça reste en ligne. D'ailleurs, c'est resté en ligne un jour parce que c'était sur Libération. C'était aussi sur plein d'autres journaux, notamment Slate. Et c'est resté en ligne une journée, donc maintenant c'est encore en ligne, sous forme d'une adresse IP. Donc s'il y en a qui font de la recherche et qui veulent le nom, ils viendront me voir, je leur filerai. Mais non, on va éviter d'en parler. Mais oui, il y en a. Et c'est la raison pour laquelle Aaron Schwartz s'est suicidé. Il a essayé de rendre public des accès. Enfin, en tout cas des papiers. Et même en tant qu'universitaire, des fois, tu peux juste pas accéder. Oui, ça c'est chaud. J'ai écorché son nom. Non, mais... Je ne sais jamais comment le prendre. Ça n'a pas fait évoluer le domaine ? Non. Non. Le site qui est de nouveau en ligne était en ligne avant. C'est tenu par une demoiselle qui doit être mariée maintenant, qui est kazakh, je crois. Comme quoi, même au Kazakhstan, ils ont des universités et ils font des trucs bien, contrairement à nous. Et non, ça n'a pas fait évoluer le modèle. D'ailleurs, ça a même redonné un peu de vigueur à ceux qui pensaient que la science doit forcément être payante, parce que du coup, c'est à la suite du suicide d'Aaron que le machin dont on ne veut pas prononcer le nom s'est retrouvé down, la première fois. Parce que fort d'une réussite, ils ont essayé d'en avoir une deuxième. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire avec Aaron Swartz, mais c'est pas très compliqué... Il avait mis un petit ordinateur dans un des placards du MIT pour pomper une base de journaux. Il en a pompé une bonne partie dans le but de la mettre à disposition de tous
parce que la science doit être ouverte, mais ça, ce sera un talk complet. Pourquoi la science doit être ouverte. Et en gros, il s'est fait niquer. On lui a demandé, je sais plus combien de millions. T'as peut-être le chiffre en tête, moi je l'ai plus. En indemnité, il pouvait clairement pas les payer. Et du coup, voilà, ça a donné ça. Mais bon, Aaron, il a fait RSS aussi, je crois. C'est monsieur qui est derrière RSS, c'est monsieur qui était derrière Markdown, c'est monsieur qui était derrière pas mal de choses en fait. Hein. Et il avait 25 ans, je crois. Et oui. C'est pas aussi connu que ça. C'était connu quand même, mais c'est pas des trucs que je lis. I3E, c'est plus que 30 euros. Hein. Un papier à l'I3E, t'en perds une. Alors quand tu dois faire une recherche bibliographique, t'es obligé de couper celle de tout tes... Non, c'est une horreur. Votre machin qui est caché et qui a plus qu'une adresse IP parce qu'il ne faut plus avoir de nom de domaine, pourquoi vous ne cherchez pas à le répliquer comme par exemple c'est le code de Utilix quand on a cherché à le détruire et qu'on a juste constaté que plus il te suivait avec ton point, plus ça en fout partout. C'est ça, toi aussi, t'as encore le fichier AES256 quelque part sur un de tes disques durs. Il y en a plusieurs et ça prend de la place. Il y avait des répliques du site web public. Oui, ben oui, je Utilix.fdn.fr. J'ai eu un miroir pendant un temps sur une adresse IP. Oui, non mais. Alors c'est fait en partie, le problème c'est que ça prend vite de la place des papiers, et là il y en a beaucoup, hein, sans blague. Alors je sais plus combien il y a, mais de tête ça se chiffre en millions de papiers, avec certaines fois les données avec, ce qui est juste merveilleux. Je sais plus, c'est quasiment plus d'un tera, et donc le problème c'est pas de le répliquer, le problème c'est de le transférer à un moment, et que tu te fais niquer, hein. Bah, c'est que des papiers après, et ils sont compressés. Je crois qu'il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas toutes les données. Alors, le jour où tu auras toutes les données avec les papiers. Mais tu dis juste que lui est le premier. Pas tous les papiers potentiels. Sur le machin kazakh, là. Ouais. Sur le machin kazakh, je sais pas. Je crois qu'ils étaient à 20 millions de papiers. Ce qui commence à être confortable. Hein. À 3-4 mégas le papier, je vous laisse faire le calcul. Il faut répliquer le contenu. Oui. Il est répliqué chez eux. Maintenant, est-ce qu'il est répliqué ailleurs dans le monde? J'en sais rien. En tout cas, alors c'est rigolo parce que celle qui le tient est poursuivie en justice assez couramment, mais elle continue. Hein. Vous pouvez la retrouver à droite à gauche, c'est assez marrant. Elle est pas plus, c'est pas le Kazakh qui les, c'est pas les Kazakhs qui posent problème. Est-ce que pour une revue, le fait de publier les avoirs, c'est pour en soi seulement quelque chose de devenir indispensable pour tous les autres scientifiques? Est-ce que ça pourrait pas être comme ça? Est-ce que les journaux sont indispensables aux scientifiques? Là, le problème de publier les erreurs, c'est que ça remet un peu, pas l'organisation du monde scientifique, parce que de toute façon, bah, faire des conneries, ça fait longtemps que c'est dedans, mais ça remet en cause tout l'écosystème économique qu'il y a autour. Et ça, c'est un peu dur. Parce que, mine de rien, tu n'es pas sans savoir qu'à chaque fois qu'il y a du pognon dans quelque chose, ça grippe vite. Surtout que là, il y a beaucoup d'argent. Ça, c'est un autre souci. Je suis pas sûr que Wiley Hansen soit très content qu'on leur dise ça. Avec, je sais plus, 14 ou 15 journaux chez eux, je pense qu'ils sont très contents du pognon qu'ils amassent. Bah, surtout que souvent, ouais. Non, ce serait beau. Ce serait beau. Il va falloir répliquer tout ça. Tu noteras la qualité de mon... J'ai noté la beauté du système et me demandais, alors c'est effectivement en lien avec les erreurs, je considère dans ce schéma que l'essai c'est probablement une hypothèse positive. Absolument pas. Absolument pas. J'ai juste mis qu'il y avait essai. D'ailleurs, j'ai pas mis réussite ici. Je l'avais mis, je l'ai enlevé. J'ai pas mis réussite. J'ai mis un gros fail. Ça ne correspondait pas à ce que tu voulais que ça renvoie. Ce qui est complètement différent du ça a réussi et pile t'étais dans la réalité. Si t'envoies une couille que t'es pas censé modéliser dans un modèle et qu'il la modélise pas, t'es heureux. Tu voulais pas que ça le modélise pas, tout va bien. Par contre, si t'envoies un truc que tu devais pas modéliser et que tu trouves la bonne réponse, alors que t'as rien fait pour le prendre en compte, c'est soit que t'as papiné un truc,
Soit que t'es un dieu et que t'as trouvé... Ah ! Comme ça, pile, nickel. Bon, je commence à penser qu'il y en a qui le font. Moi, j'y arrive pas. Hein ? Ah non, il y a réellement des gens qui disent « Non, mais non, là, là, il faut que tu mettes tel facteur, ça va marcher, ils ont jamais touché au problème, pouf, ça marche. » Bon. Je me rhabille, je m'en vais. Parle fort pour le machin. Alors, à ma décharge, je sors de 2 semaines de cours exclusivement avec un professeur russe qui parle anglais. Autant te dire que j'ai une vision du russe qui est un peu déformée parce qu'il nous a juste déglingué la tronche sur des domaines les plus compliqués que je connaisse en acoustique. Du coup, je commence à penser que les Russes sont des espèces de scientifiques survitaminés sous stéroïdes. Donc, la réponse est oui. J'ai pas un problème avec eux, je me sens frustré. Je me sens frustré. C'est un problème. Comment ça ? Alors, je ne dois pas comprendre la question. Je vois Vincent qui fait non. Donc, lui, il a l'air d'avoir compris. Ah, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est presque plus sur les algos génétiques que sur le machine learning. Du coup, on essaye vraiment... On utilise un peu de random jusqu'à ce que ça converge, quoi. Le machine learning, des hypothèses, c'est les algos que tu... Voilà. En l'occurrence, on a bien remarqué des fois que des algos qui compensaient bon ne renvoyaient pas du tout la bonne chose. Parce que ce qu'il appelle, on appelle ça une machine learning, il derrière. C'est... J'ai hésité d'ailleurs sur ce machin-là à mettre une belle image d'XKCD avec les algos de tri les moins efficaces. Il y en a 4 et il y en a des beaux. Il y en a vraiment des très très beaux. Notamment random jusqu'à ce que ça se tombe trié. Voilà, ça fait partie des... Il est pas mal, quoi. Et le machine learning, ça rentre dans ce cadre-là. Tu choisis, tu te fais une hypothèse et tu tentes quand même. Mais tes hypothèses, c'est vraiment ce que tu... C'est plus ton système. Enfin, tu n'essaies plus de modéliser ton système. Ton hypothèse, c'est un algo. Et ton modèle, c'est quand je rentre tel machin à tel algo, il donne ça. C'est ça. On me fait signe que, du coup... voilà. Ce qui est impressionnant, c'est la synchronisation entre le signe et le message carte pleine de l'appareil photo. C'est parfait. Synchronisation parfaite. Superbe.